Il faut que les jeunes, pour vivre ici et pour rester ici surtout, se sentent bien. Et surtout, aient les moyens de continuer à vivre ici et de se projeter dans l'avenir à Fréjus. C'est pour ça, il faut qu'ils s'y sentent bien, je vous le disais à l'instant. Donc, c'est les animations culturelles, c'est des projets pour eux. Nous sommes en train de travailler sur un centre de formation à destination de la jeunesse, non pas seulement d'ailleurs fréjusienne, mais aussi du bassin avec la CAVEN. C'est un projet majeur de notre mandat pour faire en sorte, encore une fois, que les jeunes puissent se former ici, travailler ici, créer de l'emploi ici et donc être des acteurs majeurs du développement de notre commune et du bassin plus généralement. Donc on fait en sorte, si vous voulez, que les jeunes se sentent bien. On créera dans les prochains temps, pas très loin d'ici d'ailleurs, à la base nature, une boîte de nuit et des endroits dans lesquels ils auront l'occasion de vivre leur jeunesse pleinement. Et je pense que c'est bien le moins quand on est dans un bassin où il y a plus de 100 000 habitants.